j'espère que vous allez bien, c'est Maddy. Alors, les prévisions de mars. Alors d'abord, je vais revenir rapidement sur les prévisions de février. Alors j'ai été super étonnée parce qu'en fait, j'avais sorti plein de choses qui sont effectivement sorties en février. Notamment le scandale de la fameuse SEX tape au Sénat. On va avoir un scandale, à mon avis, SEX, comme tout à l'heure, hein, avec des jeunes femmes, jeunes filles. Il y a quelque chose, hein, et ça va créer des remous dans la population apparemment. Oui, il y a quelque chose. Ouais, scandale de mœurs. Ça, c'était sorti plusieurs fois dans mon tirage. Il y avait également la trahison des agriculteurs, et je vous avais dit qu'une partie allait rentrer chez lui, enfin chez elle plutôt. Et qu'une partie allait bien escalader dans la violence, c'était exact. Donc, donc ça va quand même y avoir de la violence. Apparemment, je ressors quand même de la violence sur février, hein, parce que il y en a certains, à mon avis, hein, bon, ce que je dis n'engage que moi, mais je pense qu'il y a une partie des agriculteurs qui vont retourner chez eux, qui vont se faire en fait duper. Et il y a une partie, on l'avait vu tout à l'heure, qui va se retrouver au bord de la falaise, qui vont comprendre que ce qu'ils ont obtenu, ben, c'est que du court terme, ou c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, ou enfin bref, où il y a une tromperie. Et eux, par contre, là, il y a quelque chose sur février. Hein. Ça risque de dégénérer quand même, un petit peu en partie. Voilà, regardez, vous avez la colère. Donc, il y a une séparation qui se fait dans le mouvement des agriculteurs. Pas que les agriculteurs, pardon, d'ailleurs. Certainement d'autres mouvements aussi. Mais il y en a qui vont rentrer avec le sentiment d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Mais finalement, c'est une duperie. Et il y en a qui vont continuer, qui vont exprimer leur colère parce qu'ils vont comprendre que, en fait, tout ça, justement, c'est du pipeau. Bon, bah, c'est ça qui sort sur février. Ensuite, j'avais parlé des inondations. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a eu fin février en Flandre. Vous pourrez aller vous-même vérifier. Et j'avais parlé aussi d'une loi pour la souffrance des femmes. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a eu une, effectivement. Une loi concernant les violences faites aux femmes. C'est une loi qui est passée dans l'UE. Bon, c'est un peu bizarre, hein. En tout cas, j'ai des choses concernant l'aide, une aide à l'étranger. Il y a des chances que ce soit à l'Ukraine, mais c'est peut-être aussi à notre pays. Mais je pense qu'il y a des histoires de guerre. Donc, on apporte une aide au niveau de la guerre. Ça se trouve, c'est Israël, hein, j'en sais rien. Ici, on a des choses pour aider des femmes en situation de difficulté. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et là, on a quelqu'un qui va provoquer une dispute en relation avec un scandale de mœurs. Bon. J'avais parlé aussi d'une agression ou d'un crash ou d'un accident. Ben, je pense que ça... Alors, dirigeant Asie, ben, à mon avis, c'était plutôt ce qui s'est passé là, avec Nalvani, là, je crois. En rue. Voilà, donc j'avais sorti plein de choses, mais c'était surtout les agriculteurs qui revenaient assez souvent. Alors j'étais malheureusement un peu déçue parce que j'ai pas eu tellement de vues sur le mois de février, alors que finalement c'était vraiment bien sorti. Donc je ne sais pas si je vais continuer les prévisions, si ça intéresse si peu de personnes, et bien à ce moment-là je les mettrai que pour les membres, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. C'est une question de concentration. Et si ça n'intéresse personne, bah écoutez, hein, dans ces cas-là, on fera en petit comité. Voilà, c'est dit. Bon, alors, je fais quand même les prévisions de mars. On va voir si ça sort. Alors, sur le mois de mars, bah, on va prendre le France Actu pour voir ce qui sort. Et puis, je compléterai avec le Divine Actu. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Je ne sais pas. Tous les jeux que j'ai sont disponibles sur Etsy. Voilà. Après, bon, les boutiques, je pense que vous pouvez trouver par vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Libération et Révolution. Bon, ça va vous plaire quand même, Libération, Révolution. Oui, ça bouge beaucoup sur le mois de mars. D'ailleurs, c'est le mois de mars. Donc, il porte bien son nom. Alors, mars. Ok. Sur le mois de mars, donc on va faire 4, hein. Ah ben, il y en a deux qui voulaient sortir, ben, je vais les prendre, hein, d'accord. Alors, Angleterre, bon, on enlève, hein, d'accord. Bon, bah ben, c'est bien qu'il y en ait eu 4, vous voyez. Le jeu, il a rectifié de lui-même, bon.
On a immigration, on a lentement, un homme, électricité. Tiens, on va avoir des trucs par rapport à l'électricité. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Immigration, ok. Ça, c'est encore un autre problème dont on ne parle pas, mais qui est pourtant très, très important. Immigration, et là, on a arrêt forcé. Ah, arrêt forcé de l'immigration, bon, ok. Un non, une défaite lente. On va voir pour qui, pourquoi. Un homme et de la violence. Alors, éventuellement, violence sur un homme ou violence d'un homme. Et là, électricité, c'est la fin. Ah ben d'accord, il est sympa le jeu. J'irai recouvrir après. Pour l'instant, j'ai continué encore avec le France Actu. Alors, immigration à réforcer, oui, donc il y a quelque chose là. Vous avez vu qu'au Texas, ah non, vous avez peut-être pas vu, mais moi j'ai eu l'information ce matin. Je vous avais dit qu'au Texas, ils allaient avoir gain de cause. Ben, pour l'instant, ils continuent à repousser les migrants. Hein. Pour l'instant, ça va dans le sens que j'avais dit. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, on va mettre comme ça. Violence. Et là, fin de l'électricité. Il y a quelque chose. Hein. Ici, on a la France. Bon, ben oui, c'est bien la France. Immigration à réforcer, donc je pense qu'on va en entendre parler. Hein. Soit ils vont arrêter leur truc d'immigration, ou alors il y a un arrêt forcé de quelque chose concernant l'immigration, peut-être les aides, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'immigration. Ici, on a lentement mais sûrement la défaite ou la fin pour un ministre. Tiens, alors un ministre qui pourrait partir, par exemple. Ici, on a les violences et les blocages en concernant un homme. Ah, attendez. Agression, gang, violence sur un homme. Obstacle. Bon, je ne sais pas qui c'est. Hein. Il y a vraiment obstacle et violence. Je pense que c'est sur un homme. Mon intuition me dit que c'est sur un homme. Et là... on a les histoires de... Alors, c'est pas vraiment l'éducation. Moi, je pense pas que c'est l'éducation. Je pense plutôt qu'on va nous... Comment dire? On va nous annoncer quelque chose. La fin de quelque chose par rapport à l'électricité. Il y a l'électricité. Ok, ça va être communiqué. C'est pour ça que vous avez le sens aussi de d'école. On va nous l'annoncer, l'expliquer, etc. Bon. Bon, on va continuer avec le même jeu. Il vaut mieux rester avec le même jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'immigration? L'abondance. Oui, non, il y a des trucs qui vont être limités par rapport à l'aide concernant l'immigration, apparemment. À réforcer des aides concernant les migrants, l'immigration. Il y a quelque chose comme ça. Alors, par rapport au ministre, un déplacement. Alors, soit il y a un ministre qui peut fuite, vous voyez. Et soit il y a un ministre qui prend la fuite. Il y a quelque chose qui par rapport à un ministre. Ou soit il y en a un qui change de ministère. Ou alors il y en a un qui est en voyage. Il y a un truc là. Il y en a un qu'on déplace, qu'on fait. Ouais, qu'on éloigne. Voilà, qu'on éloigne. Bon. Pour une raison ou pour une autre. Alors là, les violences sur un homme. Ah, concernant l'Ukraine. Oh là là, alors l'aide apportée à l'Ukraine ne plaît vraiment, vraiment pas. C'est moins qu'on puisse dire. Les violences et le blocage concernant un homme par rapport à l'aide apportée à l'Ukraine. Du fait de l'inflation. Bah, je pense que le mois de mars, il va y avoir beaucoup, beaucoup de contestations justement par rapport à cette aide apportée à l'Ukraine. Et ça va engendrer de la violence et des blocages, donc des manifestations, voire des grèves. Et c'est bien par rapport à un homme. Alors, si ça se trouve, c'est justement Zélie, quoi. C'est possible que ce soit ça. Ça entraîne de la violence, parce que les gens, ben, ils en ont marre qu'on donne des milliards et des milliards à d'autres pays, alors que les gens, ils ont du mal à remplir leur caddie. Ça peut être simplement ça. Et ça, je les comprends, parce que moi aussi, j'ai du mal à remplir mon caddie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur l'électricité? On a la dissolution. Oh là là. Dissolution et fin. Il y a un problème au niveau de l'électricité. Hein. Oui, effectivement, accident. Bon, donc un problème par rapport à l'électricité. Un problème de violence concernant des aides apportées à l'Ukraine. Et qui va engendrer aussi des blocages et des manifestations.
Ici, on a un ministre qui est en déplacement, qui prend la fuite et qui est en situation d'échec. Et là, on a des aides apparemment qui sont arrêtées concernant tout ce qui est immigration. Arrêt forcé. Bon, c'est ce que sort pour le mois de mars. On va essayer d'en savoir plus. Alors, je sais que vous posez plein de questions sur, évidemment, les agriculteurs qui maintenant sont à Bruxelles. Ah ouais, non, mais je vous dis, en fait, tout dépend vraiment du succès ou pas de mouvement agriculteur. Oui, c'est ça. Du mouvement des agriculteurs. Parce que là, si on ne réagit pas, je vous dis, hein, c'est la fin des haricots. En tout cas, la fin du poulet français. Bon. Alors, sur Mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La délation. Ah, c'est marrant, j'ai toujours l'immobilier qui sort, moi. Quelque chose par rapport à l'immobilier sur le mois de mars. Hein. Bon. Alors, je n'ai pas pris toutes les cartes. Hein, voilà. Sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'important concernant la France? Après, on ira faire un petit tour du côté international. J'ai vu qu'ils allaient faire une trêve pour le ramadan à Gaza. Ouais. Ouais, que vous dire? Bon. Sans commentaire. Alors, ici, on a le froid. Ah, tiens, on a les questions de maladie, là. L'Antarctique, je ne sais pas ce que ça va faire là. Et les questions de DNA. Ok. Bien. Des choses bizarres qui sortent là. Je ne suis pas sûre que ce soit le mois de mars. Parce que l'Antarctique, il y a des ballots là-bas. Hein, voyez. Est-ce qu'ils ne préparaient pas un truc pour l'hiver? Ben oui, je sais bien. Je n'ai pas osé vous faire de vidéo à ce sujet. Parce que j'ai encore me faire incendier. Mais ils nous préparent un truc. Hein, bon, je vous l'ai dit hein, déjà. Sur l'année prochaine. Bon. Fatigue, sommeil. Ah tiens, là, il y a l'agriculture qui sort. Ok. Le printemps. Le chien. Alors, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, je veux dire le chien, mais je sais pas pourquoi j'ai ça qui sort. Alors, je remallonge. Je pense qu'il y a en fait des thèmes. Ça, à mon avis, ça va ensemble, vous voyez. C'est la première interprétation que je vous ai donnée, alors qu'il n'a rien à voir avec le mois de mars, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer des choses là au moment où je vous parle, donc pratiquement au mois de mars, qui concerneraient des choses par rapport à la fin d'année et concernant quelque chose dans les ballots, alors en Antarctique, pour changer la double hélice. Et c'est bien par rapport à ce truc-là, là. OK? Bon. Ben oui, je sais. Bon. Alors, là, ce serait plus effectivement le printemps avec les agriculteurs. Les chiens, moi, j'y verrais bien les amis, la loyauté, les gens qui sont ensemble, parce que le chien, c'est quand même l'animal le plus fidèle, hein, le plus loyal qui puisse exister. Mais si, mais toi aussi, ton fils, toi aussi. Mais oui, mais toi aussi. Les chats aussi. Allez. Il y a, bon, donc les agriculteurs, c'est pas fini sur le mois de mars. On va regarder par là. J'ai quand même la fatigue. Ah, attendez, il faut que je la retire celle-là. La fatigue. Alors, on a deux fois, on va y regarder. Amitié, fidélité et chien. Les agriculteurs, est-ce qu'ils fatiguent? Est-ce qu'ils commencent à fatiguer? Il y a une décision qui va être rendue les concernant. Ah oui, d'accord. Toujours lui, hein, le diable. Donc, décision sur le mois de mars concernant les agriculteurs. Un mouvement qui commence à s'essouffler. Parce que, bon, il faut tenir, hein. Ils ont aussi leur travail, voilà. Il faut aussi qu'ils gagnent leur vie. Les agriculteurs ne peuvent pas non plus passer leur temps à Bruxelles ou à manifester, quoi. Donc quelque chose qui ralentit, qui fatigue. C'est bien un choix, un carrefour, on est d'accord. Bon, le football, à mon avis, c'est un coup d'envoi, hein, d'accord. Quelque chose qui bouge, une décision qui va être prise. La balle est au milieu des deux camps. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est une décision qui va être prise ici avec un vote ou des élections, donc une décision qui va être rendue concernant, encore une fois, les agriculteurs. Bon. Oui, ben ça, on sait qu'il y a les businessmen qui sont derrière, il y a toutes des industries qui sont derrière qui veulent des sous. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent supprimer les agriculteurs français. Déshumanisation, oui, ben ça, de toute façon. Bon, la monnaie numérique. Bon, ok. Bon, on n'aura pas plus d'informations. Ça, c'est aussi un petit peu caché. On va essayer de revenir sur les agriculteurs. Je vais prendre mon oracle de corbeau, qui est
Très bien. Bon, déshumanisation, de toute façon, vous pouvez mettre ça avec la carte du DNA. Hein. D'accord. Effectivement. Hein. Il y a la double hélice qui a été changée. Hein. Enfin, je vous apprends rien, je pense. Bien. Qu'est-ce qui va se passer puisque pour les agriculteurs, puisqu'on voit qu'il y a bien une décision qui va être prise. J'ai à la fois le vote et le choix. Donc, il y a bien les histoires de décision. Protection. D'accord. Ça, c'est bien. Et préparation. Bon. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'ils vont avoir gain de cause. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais dit, dans un premier temps, ils auront gain de cause. Donc, les fidèles de la chaîne s'en souviendront. Et je vous dis, mais attention, il faudra attendre les élections des européennes parce que ça peut changer par la suite. Peut-être que vous vous rappelez hein, de ce que j'avais dit. Vous voyez, donc ça pourrait expliquer pourquoi j'ai protection. Donc, pour l'instant, ils vont avoir gain de cause d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des choses en préparation. Plus tard. Mimétisme, là, on fait en sorte de leur ressembler, d'être de leur côté, quoi, pour mieux les trahir. Hein. Mimétisme. Liberté. Et distraction. Ouais, c'est un petit peu ça, hein, dans un premier temps. Moi, je pense qu'ils vont avoir gain de cause. Mais il y a autre chose en préparation. Vous voyez, on fait en sorte de les comprendre, d'être de leur côté, de leur accorder ce qu'ils veulent. Mais c'est une distraction. Bon, donc tout ça, c'est pas fini. Il pourrait quand même y avoir un gain de cause sur le mois de mars pour les agriculteurs. J'insiste dans un premier temps. Non, c'est pas que je suis pessimiste, c'est que y a les businessmen derrière. Il y a de l'argent. Et quand vous avez de l'argent derrière, c'est rarement aussi simple que ça. On va prendre mon petit jeu là, qui a l'air de bien vous plaire. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, j'appelle le tarot du dragon, hein, mais c'est Magic, Magic Planet. Bon, il y a des choses qui bougent sur le mois de mars. Alors, je vais pas parler de la guerre, mais elle est toujours là, hein. Non, en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les agriculteurs au mois de mars? Bon, il y a bien, vous voyez, les histoires de croissance. Aventure, donc ils continuent leur mouvement sur le mois de mars, vous voyez. C'est bien pour continuer à croître, quoi, continuer à vivre. Hein. D'accord. Et je pense vraiment qu'ils auront gain de cause. Voilà, détermination. C'est bien ça. Ils sont déterminés. Hein. On peut les voir sur leur tracteur, là, vous voyez. Mais, confinement et solitude. Oui, donc. C'est en demi-teinte, hein. Keep safety. Bon, je pense qu'effectivement, ils vont jouer la carte de la sécurité. Ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ils auront quand même quelque chose. Ok? Ouais, je sais, c'est compliqué. L'aventure. Bon, ben là, ok. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont arriver à avoir quelque chose. Ils auront quelque chose. Completeness, complétude, achèvement, voilà. Ils auront quand même une satisfaction. Mais attention, ils n'auront pas tout, ou alors on ne leur dira pas tout. Il y a quand même solitude. Donc, il y a quelque chose qui va se préparer par la suite. Il faudra vraiment attendre les élections européennes pour en savoir plus. Bon, voilà pour le mois de mars. On va regarder rapidement sur l'international. Donc, je vais mettre pause. Alors, l'international, on va prendre le petit... Oui, oui, Tofi, je sais que t'es là. On va prendre les allusions de l'univers. Oui, ben, vous l'entendez derrière qui fait miaou. Bon, il y a un conflit quand même. Hein. Bon, ça, vous m'allez dire, ben oui, on sait. Oui, il y a un conflit. Il y a toujours de la propa par rapport à un conflit. Bon, d'accord. Alors, je ne sais pas lequel, hein, parce que ça brûle partout, de toute façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'international? Sur le mois de mars, sans spécifier exactement dans quel coin du monde. Il y a des pourparlers secrets, les enfants. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Les chats, les gens qui regardent, la surveillance, c'est tout ça à la fois. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars? Et quelque chose, peut-être une solution qui se dessine. Alors, les questions de nourriture, d'estément. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. On se met à l'abri.
Et il y a une porte de sortie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la nourriture? Ah là, je vois pas. Franchement, il y a des photos. Ouais, y a des questions de commerce ou de nourriture. Alors, la photo, c'est le. C'est une vision de la réalité, mais c'est pas la réalité. J'ai l'impression qu'il y a des changements sur la nourriture. Ah, est-ce que ça peut être les étiquetages? Vous voyez? Ça peut penser à ça. Secret. Il y a des trucs secrets concernant la nourriture sur le mois de mars. Alors, c'est pas l'international, je sais. Mais ça peut être aussi en relation avec l'international. Est-ce que ça peut être pas les, ça peut pas être les importations, vous voyez? Les importations de nourriture, attention aux étiquettes. Ouais, il y a des choses secrètes. Bon, moi, je verrai un truc comme ça. Et ça vient de l'international. Oui, non, mais je vous dis, ça va être les trucs Ukraine, là, machin. La nourriture, ça va commencer à nous envahir. Hein. Oui. Même s'ils ne nous le disent pas, il y a un truc. Il faut faire attention au niveau de la nourriture parce que c'est sorti deux fois, là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les marchés et quelqu'un qui fait sa cuisine, vous voyez, avec les sortes de photos. Là, il y a un truc. Bon. Donc, attention aux étiquettes des produits. On pourrait avoir des nouveaux produits venant de l'international, mais vous voyez, ce serait pas. Il y aurait des tractations secrètes, des accords secrets avec la photo. Donc, des choses pas forcément très correctes, quoi. D'accord? Ouais, mais on ne sait plus quoi manger maintenant, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les enfants, là? Un squelette qui sort d'un placard. Bon, un scandale en relation avec les enfants. Les petites filles, les petits-enfants. Mais ça, c'est une petite fille. Hein. Il y a un enfant. Donc, il y a un scandale. Un truc qui sort du placard concernant l'international. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les chats? Des disputes et des conflits. Alors, pourquoi les chats? J'en sais pas. Alors là, attendez, j'ai besoin d'une carte, là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Les chats, les animaux, la surveillance, un obstacle, mais un conflit. Alors, ça, évidemment, c'est les caméras, hein. Ça peut être les caméras, donc les journalistes qui sont témoins de quelque chose, par exemple, concernant un conflit. Ben oui, voilà. Bon, ben ça peut être dans ce sens-là, voyez. Donc, ça serait les caméras. Il y a la sursaut, ne rien dire. Mais je pense que il y a des gens qui vont voir ou qui vont observer quelque chose et qui vont le mettre à la vue de tout le monde. Alors, concernant une dispute, un conflit. Oups. Et c'est bien les médias, hein. Vous voyez, les médias. Donc, les médias, c'est bien ça. On va entendre parler de quelque chose. Je peux pas être plus précise, qui va être très rapidement sur plus loin et je sais pas comment le dire à l'envers celui-là sur sans ré, voilà, et mais dont on va quand même entendre parler rapidement mais de façon très courte dans le temps et tout de suite eh bien ça va être camouflé. Il y a quelque chose comme ça. Alors par rapport à quoi? Ah, par rapport à lui. Ah, c'est drôle qu'il soit sorti. Hein. Je vous montre les cartes quand même. Ah ouais. Donc, un scandale concernant ce monsieur-là que vous connaissez, que vous adorez et qui va être rapidement étouffé. Bon. Ah ben, on va essayer de savoir ce que c'est hein, quand même. Ben oui, c'est lui. Hein. C'est lui. Alors, ce serait apparemment concernant les industries. Bon. Ce sont les conflits d'intérêts et tout ça. Ouais, ça va créer une situation d'urgence. Il va encore faire un truc ou dire un truc. On va s'en apercevoir. Et ça va mettre le feu aux poudres. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire sur le mois de mars. Alors, industrie immobilière. Bon, bah, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Dans ces eaux-là. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Agression. Mais vous savez qu'il pourrait y avoir un problème. J'avais sorti tout à l'heure agression sur un homme, hein, juste avant, dans le tirage juste avant, avec le France Actu. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait un problème d'agression sur un homme. Ben écoutez, ça ressort ici.
Et ça pourrait être notre cher et tendre, ce qui pourrait le conduire, voyez, à prendre la poudre d'escampette. Hein. Voilà. On essaie de s'enfuir là. Voyez, vous avez encore une échelle vers une porte ouverte. Et là, c'est pareil. On prend l'escalier pour sortir de quelque chose. Mais il va avoir un problème, lui, sur Mars. Il y a une agression là. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Voyez, vous avez quand même une situation d'urgence. Ouais, mais, non, mais il va avoir un souci sur le mois de mars, lui. Ben, parce que il y a ça aussi, quoi. Alors, moi, j'ai sorti l'immobilier, l'industrie, mais aussi les histoires de blé. Alors, est-ce que c'est les histoires d'argent, le blé? Ou est-ce que c'est les histoires, effectivement, d'agriculteurs et de disette, quoi. Il va avoir un souci, lui. Bon, donc agression, on va dire agression sur qui vous savez au mois de mars. Voilà. Donc ça, c'est un scoop. Hein. Alors, j'ai l'été qui ressort. Non, moi, je dis le mois de mars. Je vous dis le mois de mars. Allez. Contrôle mental sur l'été. Bon, après, ça, c'est autre chose. Hein. D'accord? On va s'arrêter là. Bon, bah pour l'international, mis à part ceci, j'ai rien d'autre. Hein. Je vais voir quand même si je peux avoir autre chose. Sur la nourriture, sur le mois de mars, il y a un truc qui se prépare là. Ah oui. Ben écoutez, ça peut être une nouvelle nourriture qui arrive en relation avec ce monsieur. Voilà. Et dont on ne nous dirait rien. Donc une fausse nourriture. Donc attention aux étiquettes. Parce qu'ils sont dangereux, ces gens-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.